Bienvenue sur un tutoriel macplanet.com. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer quelque chose que moi je pensais être élémentaire, mais qui visiblement ne l'est pas, puisqu'on me pose des questions sur les forums. On me demande comment afficher l'icône Macintosh HD sur le bureau. Autrement dit, comment afficher le disque dur, le SSD du Mac sur le bureau. Alors c'est très simple. Alors, vous allez au menu Finder, donc depuis le bureau hein, précisément. Alors, où vous lancez le Finder? Et vous allez au menu Finder, ou directement, si le Finder est déjà là, vous allez sur Finder, Finder, réglage, ok, donc raccourci, touche, pomme, virgule. Ensuite, vous allez sous l'onglet général, et là, vous cochez disque dur. Même si vous avez un SSD, c'est pas très grave. On appuie quand même sur disque dur. Et voilà, qu'est-ce qu'on voit apparaître comme par magie? L'icône Macintosh HD. Donc pour le faire apparaître sur son bureau et directement avoir accès à ces éléments, c'est comme ça. Voilà, donc c'est, moi je pensais que c'était quelque chose d'assez basique, mais visiblement ça l'est pas, hein, puisqu'apparemment certains se posent la question. Peut-être des nouveaux arrivants sur macOS, hein, j'imagine. Donc voilà. Donc Finder, réglage, et là, disque dur. Il disparaît, et là il apparaît. Tout simple. Merci à vous d'avoir suivi ce tutoriel express. Bonne journée à tous.